Le vaisseau cargo Tianzhou a pour mission de livrer toutes sortes de fournitures à la station spatiale chinoise, allant de la nourriture aux vêtements en passant par les composantes de la SSC. Comparables à des livreurs sur Terre, les livreurs spatiaux sont plus rapides, plus efficaces et plus fiables. L'ingénieur spatial Jia Dongyong affirme que le vaisseau cargo Tianzhou détient désormais un record mondial. L'une des meilleures façons d'évaluer un vaisseau cargo spatial est le rapport entre la charge et le poids total. Plus la charge utile est importante, mieux c'est. En fait, Tianzhou pèse 13,5 tonnes au total et peut transporter 6,5 tonnes de charge utile, soit un ratio de près de 0,48. C'est le plus élevé parmi les vaisseaux cargo spatiaux existants. Plus un cargo transporte de charge, plus il est rentable et plus il peut contribuer à l'exploration spatiale. Par exemple, si les scientifiques chinois veulent faire des expériences à grande échelle, ils peuvent livrer l'équipement par le vaisseau cargo spatial. Et le processus d'emballage à l'intérieur du vaisseau cargo suit des règles scientifiques éprouvées. Les colis sont placés de manière à garantir l'équilibre. Les objets plus lourds sont généralement installés dans la section dessous. Nous voulons également qu'ils soient facilement accessibles par les taïkonautes. Par exemple, les choses qui sont utilisées en premier sont emballées en dernier. Ainsi, comme le vaisseau cargo Tianzhou est harmonisé dans sa conception, il est aussi par sa fiabilité et son efficacité.